La Grande-Bretagne forme, avec l'Irlande du Nord, le Royaume-Uni. L'Angleterre est une de ses composantes, avec le Pays de Galles et l'Écosse. L'Angleterre est grande ouverte sur la mer, dans laquelle les cours d'eau se jettent en de larges estuaires. Longtemps, la mer fut le seul moyen d'accès pour les peuples originaires du continent européen. Ils s'installèrent aisément sur une terre où l'on rencontre peu d'obstacles. La population anglaise est concentrée dans le sud. Elle se caractérise aujourd'hui par une forte urbanisation. Les riches terres ont nourri la population, mais les cultures se sont développées au détriment de la forêt, qui ne représente plus que 7% du territoire, trois fois moins que la moyenne européenne. Le sud est devenu le jardin de l'Angleterre, qui dessine un paysage de bocage typique. Les haies formées d'arbustes offrent un refuge à la vie sauvage et délimitent les petites parcelles vouées à l'élevage. Un paysage néanmoins menacé par l'agriculture intensive. La propriété foncière est inégalement répartie. Elle appartient principalement à l'aristocratie qui défend ses privilèges, ses traditions et son art de vivre. L'Angleterre est très attachée à son patrimoine historique, même si le futur pointe à l'horizon. Les Anglais vénèrent leur passé et vouent une vraie passion à leurs ancêtres. Le train du présent réduit la distance entre l'Angleterre et les influences venues d'ailleurs. Le savoir-faire extérieur est assimilé et adapté au goût local. Bastion des traditions, le pub est fréquenté à des conditions et à des horaires plus souples qu'auparavant. Il est loin le temps où les femmes étaient cantonnées dans un salon adjacent. Le temps n'a pas d'effet sur les divertissements traditionnels. En Angleterre, l'Église anglicane s'est constituée au XVIe siècle en rompant avec la hiérarchie catholique. L'opposition à Rome imprègne encore la nuit de Guy Fawkes, un catholique qui tenta de faire exploser le Parlement. La nuit du 5 novembre, on fête l'échec de la conspiration et on rappelle le soutien au monarque, chef de l'Église anglicane. Le cricket est l'une des traditions les plus populaires inventées par les Anglais. Pour beaucoup, c'est plus un état d'esprit qu'un sport. L'Angleterre tout entière suit les traces de Londres, la capitale nationale. Au bord de la Tamise, les anciens sites industriels ont été réhabilités. Et la jonction s'est faite entre passé et futur. Grâce à la croissance économique, les villes se sont offert un ravalement complet de leur architecture. L'opération s'est déroulée sans faire de concession à la qualité de la vie. Très prisées des Anglais, les activités de plein air n'ont pas cédé de terrain. Au contraire, les espaces consacrés à la détente ont été augmentés. Même s'il a été inventé en Écosse, le golf dessine en Angleterre des parcours réputés dans le monde entier. La roue tourne pour Londres et la ville prend de nouvelles couleurs. Malgré les mutations pourtant, la mégapole conserve les points de repère de son passé. Tower Bridge fut élevé pour désengorger le trafic et faciliter les échanges. Tous les grands monuments londoniens illustrent les valeurs anglaises. La démocratie au Parlement, la religion à Saint-Paul et la monarchie au palais de Buckingham. À Londres, le prix du mètre carré est un des plus chers du monde. Pas question cependant de toucher aux espaces verts. Certains quartiers évoquent une petite ville de province. D'autres étalent avec pompe la grandeur impériale. Mais entre les extrêmes, les connexions sont assurées par des transports qui traversent le temps. Tous les temps. L'architecture londonienne est en perpétuel mouvement. Elle intègre les lignes du passé et s'en inspire pour créer de nouveaux édifices.
une façon personnelle de faire du neuf avec de l'ancien. Les bâtiments historiques se reflètent dans les constructions contemporaines qui ne cessent de s'élever. Les chantiers se succèdent à un rythme rapide dans une ville gigantesque. Londres est 10 fois plus étendue que Paris. En permanence, le paysage urbain s'enrichit de créations audacieuses. La créativité des architectes est tellement vive que les notions mêmes d'urbanisme sont constamment revues et corrigées. Les bâtiments qui changent d'affectation étonnent aussi par leur modernité. Un constat, les lignes rationnelles de l'architecture industrielle se marient parfaitement avec les volumes épurés de la création actuelle. Même à l'avant-garde architecturale, Londres n'oublie pas pour autant d'où elle vient. Elle entretient avec fierté les fleurons gothiques de son passé. Le mélange des époques et des styles compose à Londres un réseau de formes entrecroisées. La ville y trouve sa personnalité. Pendant les fêtes de fin d'année, les traditions sont particulièrement respectées. Les traditions familiales et les cadeaux de circonstance font tourner la tête pour le plus grand bonheur des magasins qui ne désemplissent pas. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de rassemblements populaires. La pâle lumière hivernale semble ainsi moins froide aux Londoniens. Le 1er janvier, l'année commence en fanfare avec la London Parade, un premier rendez-vous festif qui en annonce beaucoup d'autres. Par exemple, le carnaval de Notting Hill, un kaléidoscope multiculturel d'une ville où 50 nationalités se côtoient et où l'on parle 300 langues. Londres entraîne vers les sommets et toute l'Angleterre est emportée dans son sillage. Au nord-ouest du continent européen, l'île de Grande-Bretagne couvre un territoire 2 fois plus petit que la France. L'ensemble se répartit en 3 entités distinctes. Il y a environ 10 000 ans, la Grande-Bretagne n'était pas une île. Les premiers arrivants sont venus à pied. Aujourd'hui, la Manche sépare l'Angleterre de la France. Mais l'obstacle n'était pas suffisant pour assurer une solide protection. La ville de Douvres s'est donc équipée de fortifications à partir du XIIe siècle. Elles ont servi jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il est vrai que la proximité des deux côtes a toujours préoccupé les Anglais, soucieux de prévenir les invasions. Nous pourrions apercevoir la France presque en face de nous s'il n'y avait pas de brume. On ne voit pas les falaises, mais on voit les ferries qui font la traversée. La distance n'est pas longue, ça fait à peu près 35 km. En fait, à l'origine, les terres étaient reliées. On surnomme le château de Douvres la porte d'entrée de l'Angleterre. Cela rappelle que nous sommes tout près de la côte française. La crainte des envahisseurs préoccupe l'île depuis longtemps. Les Romains sont arrivés ici dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils construisirent un phare qui témoigne toujours de leur présence. En plein jour, les côtes anglaises ne peuvent passer inaperçues. Elles sont en effet bordées de hautes falaises de craie. Leur blancheur a valu à l'Angleterre le surnom d'Albion, du mot latin albus, qui signifie blanc. Le long de la côte, des stations balnéaires d'un autre âge attirent une clientèle d'habitués. Dès la fin du XVIIIe siècle, la vogue des bains de mer bouleversa la vie paisible de l'endroit. Le roi George IV contribua beaucoup à la réputation des lieux qui virent arriver les célébrités. C'est à Eastbourne que Debussy composa son œuvre « La mer » au début du XXe siècle. En villégiature sur la côte, les familles s'adonnaient aux joies simples de la plage. Pour les divertir, on construisit les piers, comme à Brighton.
Sur un ponton de bois, le Palace Pier est un parc d'attractions en modèle réduit. Des générations de vacanciers ont fréquenté ces installations. La West Pier appartient en revanche au passé. Laissé à l'abandon de longues années durant, le bâtiment rongé par l'humidité s'effondra en 2002 sous les coups des vagues. C'est un pan entier du patrimoine local qui partit à la dérive vers l'oubli. Malgré les dommages du temps, certaines pires restent intactes dans la mémoire des passionnés. Les photographies entretiennent le souvenir. La première pire du pays, l'ancêtre des pires que vous voyez de nos jours, s'appelait Chain Pier. Elle avait été construite à Brighton, là-bas, le long de la route. Il y avait des chaînes attachées au rocher du rivage, des poteaux à intervalles réguliers, c'était une plateforme qui flottait. À l'origine, ça servait d'embarcadère et de débarcadère pour les passagers des ferries. Mais la Chain Pier est devenue très populaire. On venait la voir comme quelque chose d'exceptionnel. Vous comprenez, on n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Alors, les gérants de la Chain Pier ont eu l'idée de faire payer un droit d'entrée. Et comme les gens étaient prêts à payer pour jeter un coup d'œil, on a installé des buvettes, des petites attractions, des stands de photographes et tout ça. Voilà comment sont nées les piers aux structures plus solides, celles que vous voyez aujourd'hui. Une attraction exotique? Non, le pavillon royal, la résidence excentrique conçue à Brighton par le prince de Galles avant qu'il ne devienne George IV. Sa vie dissolue et son goût pour la fête jetèrent le discrédit sur la couronne britannique au début du 19e siècle. Les aristocrates doivent à l'origine leurs titres et leurs privilèges à une terre et à une résidence familiale. Tous n'ont pas les moyens d'entretenir des demeures somptueuses qu'ils transforment parfois en musées pour en assurer l'entretien. Des associations se chargent également de rendre vie aux sites les plus remarquables. Les jardins peuvent accueillir les adeptes du lawn bowling, en français le boulingrin. Il s'agit d'un jeu de boules voisin de la pétanque qui se pratiquait déjà en Égypte ancienne. La boule est lancée en direction du cochonnet, le jack. Sa forme particulière lui permet de se rapprocher en suivant une trajectoire courbe. Au sud-est de Londres, les nuages s'attardent souvent sur une région verdoyante, le Kent. On découvrit une source aux propriétés thérapeutiques au début du XVIIe siècle dans la localité de Royal Tunbridge Wells. La bourgade connut un succès fulgurant lorsque la famille royale et les aristocrates prirent l'habitude d'y séjourner. La ville devint un symbole d'élégance, notamment grâce aux Pantiles, une allée couverte de dalles bordée de colonnades et de maisons coquettes. Un rendez-vous chic réservé aux seuls privilégiés. À Royal Tunbridge Wells, le passé explique le présent. Tunbridge Wells était à la mode parce qu'elle était la ville où il fallait absolument venir pour être vu en compagnie des gens bien, avec les vêtements les plus chics, tout ce genre de choses. La société était très strictement organisée. Au niveau supérieur de l'allée où nous sommes en ce moment, seuls les élégants, les riches et les aristocrates se promenaient. C'était le style de personnage que je représente. Le niveau inférieur, juste en dessous de nous, c'était le niveau des serviteurs, des travailleurs, des contrebandiers, de tous ces gens-là. Les deux catégories ne se mélangeaient pas. Au cœur du Kent, la ville de Canterbury fait bloc autour de sa cathédrale. Les travaux de construction débutèrent au XIe siècle, mais ils se prolongèrent durant 5 siècles. Cela explique le mélange des styles roman et gothique. L'édifice joue un rôle majeur depuis la rupture entre le roi Henri VIII et l'Église catholique. Cette rupture conduisit à la création de l'anglicanisme. L'anglicanisme est une émanation de la version anglaise du catholicisme, après la réforme sur le continent au XVIe siècle.
La cathédrale de Canterbury est l'église mère de toute la communauté anglicane. La communauté a des ramifications partout dans le monde, mais tous les fidèles ont le regard tourné vers Canterbury dès qu'il s'agit de prendre de grandes décisions. C'est un peu comme le Vatican pour l'église catholique. La cathédrale domine la cité et ses maisons à colombages. Les maisons de pierre étaient rares au Moyen Âge. À Canterbury, les moines furent les premiers à construire en pierre. La religion anglicane et l'opposition à l'Église catholique ont profondément marqué la société anglaise jusqu'à devenir une tradition. Et les traditions, surtout dans les campagnes, sont bien respectées. En octobre, le centre des villages peut prendre l'aspect d'un champ de bataille. Que se passe-t-il ? Tornades ? Tremblements de terre ? Rien de tout cela. La tradition veut que l'on rassemble tout ce qui peut brûler. Un énorme bûcher se prépare pour la nuit de Guy Fawkes, célébrée dans toute l'Angleterre. Et le soir du 5 novembre, à Lewes, comme dans bien des localités, un cortège s'organise à la lueur des torches. Le défilé rappelle celui qui conduisit le catholique Guy Fawkes à l'échafaud après l'échec de son attentat contre le roi anglican en 1605. La mort de la reine Élisabeth Ier avait fait naître de grands espoirs chez les catholiques anglais qui espéraient rencontrer plus de tolérance. Mais le nouveau roi, Jacques Ier, accentua la répression à leur encontre. Guy Fawkes prépara un complot. L'histoire a retenu l'événement sous le nom de « Conspiration des poudres », parce que 36 barils de poudre avaient été dissimulés sous le Parlement. L'opération échoua et les comploteurs furent arrêtés. Le défilé ne prend pas pour cible le seul Guy Fawkes ou l'Église catholique. Il s'attaque de manière symbolique à d'autres ennemis, comme les maladies qui parfois déciment le bétail. On rend hommage à la reine avant que les associations chargées d'allumer les feux de joie, les Bonfire Societies, n'entrent en scène. Quelques anachronismes émaillent le cortège, mais ce soir-là, les spectateurs n'y voient que du feu. À l'issue du cortège, les bonfires, les bûchers, s'embrassent par centaines à travers l'Angleterre. Les pompiers sont débordés. Encore une dernière pique à l'égard de l'Église catholique et le feu d'artifice peut commencer. Guy Fawkes a réussi cette fois à mettre le feu aux poudres. Au beau milieu de la côte sud de l'Angleterre se détache la forme d'un losange d'une vingtaine de kilomètres de côté, l'île de Wight. En raison de sa proximité, les Anglais ont toujours redouté que l'île ne soit utilisée comme tête de pont par des envahisseurs. Aujourd'hui, le danger semble bien écarté. À l'extrémité ouest de l'île,
de redoutables aiguilles calcaires pointent au-dessus des flots. The Needles. Du sommet des falaises de l'île, on aperçoit la côte anglaise et les landes de New Forest. La nouvelle forêt est en réalité la plus ancienne des chasses royales. Mais c'est aussi le rendez-vous des amoureux de l'automobile. À Beaulieu, un musée rassemble une étonnante collection de voitures anciennes. Un autre témoignage du respect que les Anglais portent au passé. Sans distinction d'âge ou de nationalité, de cylindrée ou de standing, le musée réunit 250 véhicules. Cela dit, une place importante est accordée aux constructeurs britanniques qui ont écrit de belles pages dans l'histoire de l'automobile, tout en roulant à gauche. En réalité, personne ne peut dire exactement pourquoi nous avons décidé de conduire à gauche et d'autres peuples à droite. Certains pensent que ça a un rapport avec la position des cochers d'autrefois. Il faut savoir qu'environ 42% de la planète roule à gauche. Donc ce n'est pas seulement l'Angleterre. Il y a aussi le Japon, l'Inde et l'Australie, par exemple. Le fondateur du musée, Lord Montagu of Beaulieu, réside dans la demeure voisine. Palace House appartient à la famille depuis le milieu du XVIe siècle. À Goodwood, un festival annuel rend aussi hommage au passé à travers ses rythmes populaires, ses voitures de sport et ses gloires éternelles. Dans la campagne du Wiltshire, le temps semble arrêté. Pourtant, les hommes y ont posé des jalons, comme à Stonehenge. Une série de mystérieux mégalithes se dresse ici depuis le 3e millénaire avant notre ère. Le site a probablement un lien avec le soleil et les saisons. On ne lui connaît pas de fonction précise. On sait que certaines pierres ont parcouru plus de 300 km, mais on ignore comment. À l'ouest de Londres, la ville de Bath connut un formidable engouement à partir du XVIIIe siècle. Mais ses origines sont plus lointaines. Elles remontent à l'Antiquité. Les bains romains, grâce à une source d'eau chaude, en firent la première station thermale d'Angleterre. L'eau de ce bassin est chaude. Elle arrive grâce à un aqueduc romain directement relié à une source d'eau chaude, une cavité secrète. Les Romains ne comprenaient ni pourquoi l'eau était chaude, ni d'où elle provenait. Alors, ils pensaient qu'elle était fournie par un dieu ou une déesse, plus précisément par la déesse Minerve, qu'ils associaient à la guérison. La reine Anne Stuart appréciait l'eau de Bath, distribuée à la pompe. Les aristocrates et les grands bourgeois l'imitèrent. Ils affluèrent pour boire une eau chaude délicieusement soufrée. Aujourd'hui, on comprend que le thé ait plus de succès, mais le cadre du XVIIIe siècle est inchangé.
De toute l'Angleterre, les courtisans arrivèrent et se firent construire de belles demeures. L'architecte John Wood utilisa les pierres d'une seule carrière, ce qui donna une splendide unité architecturale à l'ensemble. Une composition en arc de cercle, le Royal Crescent, en donne une belle illustration. Les lieux sont chargés d'histoire et tout est fait pour reconstituer l'ambiance du passé. Malgré son respect pour les traditions, l'Angleterre ne refuse jamais le droit d'être différent. C'est aussi une tradition. Une longue péninsule prolonge l'Angleterre vers le sud-ouest jusqu'à l'extrémité des Cornouailles. C'est le West Country, le pays de l'Ouest. Tout en douceur, la terre ondule sous les petites collines qui reproduisent mollement le mouvement des vagues. Sur la côte nord, deux localités ont uni leur destinée. Lynmouth, au bord de la mer, Linton, en haut de la falaise. Pour assurer les communications entre les deux, un funiculaire gravit la pente escarpée depuis 1890. Le Cliff Railway, le chemin de fer de la falaise, n'utilise ni moteur ni aucune énergie polluante. Il ne réclame qu'un entretien minimal. Il fonctionne grâce à un ingénieux système de contrepoids hydraulique. L'entreprise est familiale et Bob Jones, le petit-fils du constructeur, veille à la manœuvre. Chaque voiture transporte des passagers avec une charge de 2,5 tonnes. Il y a deux voitures, une en bas et une en haut, reliées par des câbles d'acier. Les freins sont toujours enclenchés. Au signal, chaque conducteur relâche ses freins. Celui d'en bas se débarrasse de son eau jusqu'à ce qu'il soit plus léger que celui d'en haut. Et voilà, c'est le principe de la balance. Le descendant du constructeur peut être fier. L'invention de son aïeul a plus d'un siècle et n'a jamais connu d'accident. Une véritable trouvaille parfaitement intégrée à l'environnement. Plus au sud, le parc national de Dartmoor étire à perte de vue ses landes de bruyères, de tourbières et d'herbes rases. La fine couche de terre acide ne tolère qu'une maigre végétation balayée par le vent. Le port de Plymouth est intimement lié à l'histoire d'Angleterre. C'est ici que les premiers émigrants prirent le départ à bord de leur bateau, le Mayflower. Un siècle et demi avant la création des États-Unis, ils partirent fonder la Nouvelle-Angleterre, de l'autre côté de l'Atlantique. La côte rocheuse des Cornouailles offre de multiples refuges aux bateaux. Le petit port de Paul Perrault s'ouvre bien à l'abri d'un amphithéâtre naturel. Ce sont les goélands qui mettent de l'animation sur les quais. Les pêcheurs arriveront avec la marée montante. Grâce au passage du Gulf Stream, les Cornouailles bénéficient d'un climat très favorable. Presque au terme de son itinéraire, le courant chaud adoucit les contrastes entre les saisons. La rivière Fowey a donné son nom à une petite bourgade qui s'étire sur les berges. Un port est installé à l'embouchure depuis le XIIe siècle. Protégé de la houle et du vent, il est réputé pour sa sécurité. C'était un des ports d'Angleterre les plus proches du continent, une rade naturelle très bien protégée. Dans les temps anciens, il y avait deux fortins, un à Fowey et un à Polruan. Et on tendait des chaînes entre les deux pour empêcher les bateaux des envahisseurs de pénétrer dans le port. Ça faisait une protection supplémentaire. Un petit bac sert de trait d'union entre les deux rives de la rivière Fowey. Des embarcations à vapeur, semblables à celles qui naviguaient au début du XXe siècle, remontent la Fowey.
c'est une remontée dans le temps, sur les traces de la romancière Daphné du Maurier, qui vécut ici les dernières années de son existence. Le passé surgit à chaque méandre, aussi présent que la rivière. Daphné du Maurier écrivait « Les gens qui voyagent sont toujours des fugitifs. » Les Cornouailles furent sa dernière escale. Sur la côte nord, une autre célébrité fait parler d'elle. Le roi Arthur en personne serait né au château de Tintagel, aujourd'hui en ruine. Il aurait vécu ici avec son épouse, la reine Guenièvre. Il devint roi en dégageant du rocher son épée, Excalibur. Et Merlin l'Enchanteur l'aida à régner. On raconte que le magicien à barbe blanche vivait dans une grotte. Mais toute cette histoire n'est sans doute qu'une légende. Plus à l'ouest, la petite ville de St. Ives baigne dans une lumière presque irréelle. Les maisons semblent délavées à côté de l'océan dont le bleu sort renforcé. La bourgade attire les artistes depuis des décennies. L'écrivain Virginia Woolf y passait tous les étés dans les années 1930. Les peintres ont trouvé à St. Ives une stimulation créatrice. Leurs ateliers sont grands ouverts sur le large et l'inspiration déborde de leurs chevalets. Au fil du temps, St. Ives a attiré beaucoup d'artistes célèbres. Dans les années 1950, Francis Bacon, qui est probablement le plus connu, travailla dans cet atelier pendant une année environ. Les peintres voient au-delà du cadre et de la terre qui s'arrête à l'extrême sud-ouest de l'Angleterre. Land's End, la fin de la terre. La roche indécise semble suspendue entre ciel et mer. Mais, patiemment, l'océan attend son heure. À l'intérieur des terres, tout autour de Londres, l'Angleterre a placé de solides références aux grandes valeurs de sa culture. La monarchie d'abord. Le château de Windsor fait l'imposante démonstration de son pouvoir. L'austère demeure médiévale sert encore de résidence d'été à la couronne. Pour rejoindre Windsor au départ de Londres, il suffit de remonter la Tamise. En poursuivant la remontée du fleuve, on arrive dans un haut lieu du savoir anglais, Oxford. La ville est le siège d'une des plus prestigieuses universités d'Angleterre. C'est aussi l'une des plus anciennes au monde. Elle a été fondée au XIIe siècle. Sous le pont des Soupirs passent les étudiants des différents colleges. Ils doivent résider au collège pendant la première année de leurs études. Les colleges ne sont pas spécialisés. On y enseigne toutes les matières. À l'entrée, la sélection est sévère. Le tiers des candidatures seulement est accepté. À l'ouest d'Oxford commence la région des Cotswolds. La couleur dominante des maisons aux pierres claires fait le charme de la contrée. Beaucoup de Londoniens y possèdent d'ailleurs une résidence secondaire. Soigneusement préservés, les villages des Cotswolds sont de parfaits témoins de l'Angleterre rurale. Le mot « Cotswolds » est composé de deux termes anglo-saxons,
Wolds signifie vallonné, côte, enclos à moutons. Depuis le XVIIe siècle, en effet, la région doit sa prospérité à une florissante industrie lainière. Avon est le nom d'une rivière qui arrose un autre haut lieu de la culture anglaise, Stratford-upon-Avon. La localité aurait parfaitement pu mener une existence tranquille si l'un de ses habitants n'était devenu mondialement célèbre, William Shakespeare. Le grand dramaturge était le troisième enfant d'une famille de 8. Il avait tout juste 21 ans quand il quitta sa maison natale pour Londres, probablement en suivant une troupe de théâtre. La moitié seulement de ses œuvres seront publiées de son vivant. Toujours au bord de l'Avon, le château des comtes de Warwick marquait jadis la frontière entre l'Angleterre du Sud et l'Angleterre du Nord. Le premier comte vécut au XIe siècle. L'un de ses descendants fut gouverneur de Normandie et organisateur du procès de Jeanne d'Arc. Sur la rivière Kem, la balade en punt est un must. Le punt est une embarcation à fond plat que l'on dirige à l'aide d'une perche. Il permet de glisser le long des bâtiments d'une autre université, Cambridge. C'est un moyen idéal pour découvrir un décor planté là depuis le XIIIe siècle. Mais piloter un punt n'est pas à la portée de tous. Rival en aviron, les deux grandes universités se concurrencent sur beaucoup de points. Cambridge a débuté avec des étudiants qui avaient quitté Oxford pour suivre un enseignement plus rigoureux. L'organisation en college est commune aux deux établissements. Mais la réputation de Cambridge est meilleure dans le domaine scientifique. Une centaine de prix Nobel ont récompensé ses chercheurs. Un étrange rituel se déroule au milieu d'un pré. Une autre tradition anglaise ? Oui, on gonfle une montgolfière. Une fois les passagers confortablement installés, il reste à chauffer l'air à l'intérieur du ballon pour pouvoir décoller. Les Anglais sont passés maîtres dans l'art de faire voler des ballons à air chaud sous toutes les latitudes. Dans la moitié nord de l'Angleterre, le paysage évolue. Les débouchés maritimes pour certaines villes et les ressources du sous-sol pour d'autres ont permis à l'industrie lourde de se développer. La ville de Nottingham abrite une importante industrie mécanique. C'est le second souffle d'une cité qui a été sinistrée par la crise industrielle des années 1980. Cauchemar du shérif de Nottingham, Robin des Bois incarne le héros anglais type. Avec son arc, il volait aux riches pour donner aux pauvres et rôdait dans la forêt de Sherwood.
un chêne lui servait de campement sommaire, et la légende fit le reste. Le long de la rivière Mersey, on éleva les premiers buildings anglais sur le modèle américain. L'heure de Liverpool avait sonné. La ville s'enrichit dès le XVIIe siècle en devenant le deuxième port de l'Empire britannique. Elle se dota de monuments pompeux à la hauteur de sa réussite. Au XXe siècle, on construisit la plus grande cathédrale anglicane au monde en style néo-gothique. À la fin des années 1950, des jeunes de Liverpool se réunissent pour jouer de la guitare. Ils sont loin d'imaginer l'incroyable histoire qui les attend. Ils ne se doutent pas qu'ils vont entrer dans l'histoire de la musique populaire quand ils choisissent de s'appeler les Beatles. Ils débutent dans une cave et très vite le groupe connaît un succès phénoménal. C'est la ruée sur leur disque. Le monde entier découvre alors Liverpool. Depuis, Liverpool a réhabilité les kilomètres d'entrepôts qui bordaient le port. Les musées occupent une belle place dans les nouveaux locaux. Et les plus célèbres enfants du pays sont bien sûr à l'honneur. Oh yeah! Experience the magic of the Beatles! Les Beatles au musée, et la magie opère encore. On cherche à comprendre pourquoi ils sortirent de l'anonymat. Pourquoi les dizaines d'autres groupes qui se créèrent dans les mêmes conditions disparurent sans laisser de traces? Pourquoi une telle passion pour toute une génération? L'humour, l'autodérision, les mélodies de McCartney et les paroles de Lennon, tels étaient les ingrédients pour faire un tube. Un port existait aussi à Chester, mais il s'ensabla à partir du XVe siècle et la ville déclina. Avec ses remparts de grès rouge, la cité occupait pourtant une place importante à la frontière du Pays de Galles. Particularité unique en Angleterre, la ville médiévale se flatte de posséder les Rows. Ce sont des galeries couvertes aménagées dans les maisons à colombages au niveau du premier étage. Elles remontent au XIIIe siècle. La grande foule envahit Chester au mois de juillet. La ville organise l'une des plus anciennes courses de chevaux d'Angleterre. Les chevaux déchaînent les passions en Angleterre, et aussi les paris. Les Anglais confient leur argent aux bookmakers pour parier à peu près sur tout. Par exemple, sur les résultats des matchs de cricket. Le jeu ressemble au baseball, mais on ne le pratique qu'en été. Les Anglais ont inventé beaucoup de sports, mais pas le polo. Le polo est né en Perse. Il a essaimé dans différents pays, dont l'Inde, où les colons anglais l'ont découvert. Les joueurs frappent la balle avec un maillet en bambou, uniquement de la main droite. Le jeu, très éprouvant pour les cavaliers et les montures, est entrecoupé de pauses. La pause, c'est le moment où le public envahit le terrain et se livre à un ballet bizarre. Ah, ces Anglais, que font-ils? En fait, ils réparent la pelouse, malmenée par les sabots des chevaux. Et tout le monde participe. Après la pause, le match reprend pour un nouveau chouka.
Une période de jeu de 7 minutes 30. Le polo est un sport encore peu démocratique. Mais la passion ne s'explique pas et l'amour des Anglais pour le cheval est légendaire. Au nord-est de l'Angleterre, la ville de York a été fondée par les Romains. Au Moyen Âge, la cité devint rapidement la deuxième du royaume grâce au commerce tenu par de puissantes corporations. Les quartiers médiévaux ont été remarquablement conservés. La richesse de la ville se mesure à la taille de sa cathédrale gothique, l'une des plus vastes de toute l'Europe médiévale. Dans les années 1970, des travaux mirent à jour les fondations de Jorvik, une cité créée par les Vikings, dont on étudie encore les restes. On a reconstitué le travail des chercheurs. Découverte par hasard, Jorvik fut au cœur d'un puissant royaume peuplé d'hommes du Nord, si l'on en croit les archéologues. Oui, les Vikings étaient très nombreux ici, il y a 1000 ans. Ils avaient tout un royaume, basé à York, mais qui s'étendait bien au-delà en Angleterre. Ici, ils firent du commerce durant 150 ans, jusqu'à ce que les Anglais leur reprennent ce royaume. Au nord de York, l'abbaye de Rivaux fut la première abbaye cistercienne d'Angleterre. Mais la rupture avec l'Église catholique sonna le glas de l'établissement. Encore plus au nord, la ville de Durham. Dans les méandres de la Weir, une cathédrale romane. À l'extrémité nord de leur empire, les Romains élevèrent un mur sous le règne de l'empereur Hadrien. Pour tenir les ennemis à l'écart, le mur reliait la côte ouest à la côte est sur une bonne centaine de kilomètres. C'est dire la crainte que les Calédoniens, les ancêtres des Écossais, inspiraient aux Romains. Dans le nord-ouest, le Lake District National Park annonce l'Écosse toute proche. Il abrite le point culminant de l'Angleterre, à 1000 mètres d'altitude. Les Anglais raffolent de l'endroit, parc national depuis le début des années 1950. Les lacs résultent de la fonte des glaciers qui couvraient la région et qui modelèrent le paysage en fondant. De nombreux artistes, des écrivains, des poètes, des peintres, succombèrent à la beauté du Lake District. La protection de la nature et la conservation d'un patrimoine fragile sont des enjeux chers aux Anglais. Ils y travaillent, souvent discrètement, mais avec obstination. La sauvegarde des paysages et le respect des traditions procèdent de la même attitude. C'est l'axe autour duquel le présent tourne. Les temps changent, mais le passé demeure. Voilà la clé du succès de l'Angleterre, le secret du présent.